Allez, on va pour la partie 2. Par rapport à ton signe astrologique, hein, s'il n'est pas dans cette partie-là, je t'invite à regarder celle qui a été postée juste avant. Un message de la personne de ton cœur, que tu sois avec ou non, ton crush, ton ex, ton ou ta copine. Allez, c'est parti. Pour nos amis les vierges, qu'est-ce que la personne de ton cœur a à te dire? Nous sommes plus que des amis. J'ai envie de plus avec toi. Peut-être qu'il est temps que tu passes à l'action, toi aussi. Sois pas toujours dans l'attente. Nos amis les lions. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Oh, j'ai envie d'avancer avec toi, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de ce que tu vaux. Tu m'impressionnes. Sagittaire. Désolée, je ne suis pas intéressée. Bon, il va peut-être falloir que tu passes à autre chose. Pour vous deux, il n'y a pas de possibilité. Cancer. Je n'y croyais plus. Ah, ben là, on te dit clairement, passe à l'action. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Si c'est quelqu'un avec qui tu as vraiment envie d'avancer, clairement, fonce. Nos amis poissons. Je recherche une relation pas prise de tête. En gros, te prends pas la tête. Avance avec légèreté dans cette relation, ou du moins en premier contact. Si tu avances avec légèreté, c'est quelque chose qui peut marcher entre vous. Il ou elle a besoin de temps. Et on finit avec nos balances. Je n'ai pas assez confiance en moi. Cette personne n'a pas confiance en elle, donc elle n'a pas forcément confiance en toi. Il va falloir que tu fasses en sorte que cette personne te fasse confiance et qu'elle gagne aussi en confiance en elle. Patience, patience, patience et bienveillance.